Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Surprise. Aujourd'hui, c'est une vidéo, j'ai pas envie de dire spéciale parce que j'essaye quand même de vous faire une vidéo Halloween chaque année, mais bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve ce soir pour un maquillage d'Halloween facile. Il y a quand même un peu de détails à faire, mais maquillage facile à faire avec les produits que vous avez déjà. Tous les produits, ce sont des maquillages du maquillage. C'est des produits que vous avez, à part peut-être pour le paint blanc, mais vous pouvez le faire avec un fard blanc et du Duraline, avec un eyeliner blanc. Tous les produits sont faciles à trouver, faciles à utiliser. Un make-up simple que vous pouvez faire sur vous, que vous pouvez faire sur vos enfants, que vous pouvez adapter, faire plus compliqué, faire plus simple, enfin bref. Parce que vous pouvez aussi coller des grosses paillettes étoiles plutôt que de vous embêter à les dessiner. Bref, aujourd'hui on s'amuse un peu et on fait un make-up un peu fantasy. Moins effrayant que ce que je peux faire d'habitude, j'avais envie de changer un petit peu pour que ce soit plus portable aussi pour les enfants. Donc voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est une sorcière de la nuit. Bon, j'espère que ça vous plaît et on commence tout de suite avec le tuto. Alors, je vais préparer mes paupières. Si vous avez vu ma vidéo sur les smoky, eh bien, ça va être exactement le même principe. Je vais unifier un peu ma paupière et on va corriger l'intérieur de l'œil pour avoir un smoky plus propre. Voilà, on estompe bien, on commence à corriger. Je vais utiliser une base noire, même si mon smoky va être bleu, pour qu'il soit plus foncé. Et je vais faire un œil par un œil pour que la matière ne sèche pas trop vite. Je fais attention qu'il n'y ait pas de tache avec ma base, qu'il n'y ait pas de ligne trop nette non plus, sinon avec mon smoky et les couleurs que j'ai posées par-dessus, ça va se voir encore. Ça fera pas un joli smoky. Donc on va utiliser du bleu, on va faire une espèce de sorcière de la nuit. On va utiliser d'abord un fard bleu clair. Donc j'ai utilisé ma palette, la Carnaval palette de Be Perfect Cosmetics. Et à voir, parce que je le trouve joli, peut-être le fard bleu de ma palette Anastasia. C'est là que je regrette de ne pas avoir pris la palette bleue d'Anastasia, mais c'est pas grave. On va utiliser d'abord, donc comment il s'appelle, Sky. Et je vais m'en servir comme fard de transition. Il est très pigmenté, donc je suis partie, j'ai commencé à le déposer plus bas que là où je veux qu'il soit plus diffusé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça permet de monter doucement la couleur en n'ayant pas trop de matière, parce que si je l'avais posé directement à l'endroit où je voulais, j'aurais eu beaucoup trop de couleurs et j'aurais dû l'estomper. Enfin, j'ai beaucoup plus de travail pour l'estomper en fait. Donc je le dépose plus bas et je remonte. Et j'hésite pas à estomper dans les sourcils. De toute façon, c'est un maquillage d'Halloween, donc on a le droit. Comment je vais faire le truc? Je sais pas encore exactement comment je vais faire mon make-up en fait. J'ai pas d'idée précise, je l'invente au fur et à mesure là. Je vais remettre un peu de bleu. Et avec un pinceau plus petit, je vais déposer, je vais essayer la couleur D4. Elle me plaît bien. Il vous faut juste un bleu foncé, prenez pas la tête, un bleu nuit. Oh oui, elle est belle cette couleur, elle a des petites paillettes. Un peu de chute. Bon, je vais la poser à la racine de mes cils d'abord et je vais remonter après. Et après, avec le même pinceau, je vais estomper un peu dans ma transition.
Hop, on va mettre du noir et mon crayon noir. Je vais avec mon pinceau me faire un petit trait noir parce qu'on va mettre des fossiles. Je sais pas encore les fossiles que je vais mettre, mais ils risquent d'être assez gros. Donc je prends mon noir, je mets partout dans le contour, là où j'ai mis le crayon, et je cache la racine de mes cils au mieux. Je vais nettoyer un peu le dessous de mes yeux parce que j'ai plein de chutes. Pour le teint, j'ai déjà commencé par utiliser Almond de mon anti-cerne parce que j'ai envie d'un teint vraiment très 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 couvrant. Donc la couleur est un peu foncée pour moi en ce moment, mais c'est exactement ce que je cherche à faire. Je vais corriger avec, et la couleur est pile ce qu'il me faut là pour corriger. On dirait pas, il y a beaucoup de... j'ai ma lampe et tout, j'ai beaucoup de lumière là pour pouvoir travailler. Je vais juste tapoter dessus, mais pas bouger la matière en fait. Je vais tapoter dessus et éviter de trop étaler. Mon fond de teint Cover FX. La couleur que j'utilise, c'est N25. Je vais étaler tout ça et je vais prendre mon éponge. Enfin, étaler. J'étale pas, je tapote. J'évite de dépasser trop de choses. Je vais appliquer mon bronzer crème un peu, je vais sculpter un peu le visage. Et maintenant j'ai poudré avant que ça parte en cacahuète. Donc on vérifie que ça ne file pas, que c'est joli, et en poudre. Donc on va finir le make-up. On va remettre un peu de bleu. Du bleu. Faites attention de bien taper votre pinceau quand même, parce que maintenant vous avez fait votre teint, les retouches s'il y a des chutes sont beaucoup plus compliquées à faire. Et alors maintenant l'idée, je prends un gros pinceau, c'est qu'on va structurer mais avec du bleu le visage. Ça va être très très difficile. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs que le bleu si jamais ça vous fait peur, parce que le bleu c'est quand même une couleur qui est pas facile, mais ça peut être super fun quand même. Donc j'ai commencé avec le bleu clair parce que je sais pas trop encore exactement où je veux le placer, et j'ai utilisé une couleur un peu claire. Et maintenant on va s'amuser à placer ça partout, ou quelque part je mettrai un contouring de bout de mon nez. Je vais utiliser un plus gros pinceau, je pense, je sais pas.
Où est-ce que je vais mettre ça? Là où je mettrai du blush. Et c'est là aussi, il faut avoir fait très très attention de bien bien poudrer. J'ai poudré beaucoup plus que d'habitude parce qu'il faut que le bleu s'estompe le plus joliment possible. Et c'est une couleur qui n'est pas facile à estomper. Donc faites attention, ne vous poudrez trop que pas assez pour le coup. Je vais prendre le même bleu foncé et je vais foncer ça. Une fois que ça c'est fait, on va reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour poudrer. Et on va reprendre la poudre. Et on va, je prends le grand miroir, c'est plus pratique. Et on va repasser sur les bords pour aider le bleu à s'intégrer dans le teint. Parce que c'est pas une couleur naturelle. Donc on poudre, on poudre, on poudre. Si vous le faites avec du rouge ou des couleurs chaudes, ce sera beaucoup plus facile d'estomper. Et puis bah, vous ajoutez du bleu au fur et à mesure. Le bleu, ça se travaille vraiment par couche. Et plus vous allez mettre du bleu, et plus il ressortira bleu. Vous ne pourrez pas construire du bleu aussi vite que vous allez construire les autres couleurs. Donc il va falloir un peu plus de patience. On va s'occuper un peu des sourcils que je pense que je vais faire noir. Donc j'ai utilisé ma palette et je vais prendre granit. Qui va être parfait pour faire ça. Je vais me faire des sourcils assez foncés. Un highlighter blanc, celui-ci c'est un Ofra, il s'appelle Glazed Donut et il a une couleur vraiment magnifique, très blanche, et c'est exactement ce dont j'ai besoin en fait pour le make-up d'aujourd'hui. Comme l'idée c'est de faire la galaxie, j'ai utilisé plein de fards que j'ai qui ont des reflets en fait de couleurs, un peu de bleu, un peu de rose, et je vais m'en servir en fait comme comme pour faire une galaxie. Un peu de rose, ça c'est un fard que vous ne trouverez pas, mais vous pouvez prendre un highlighter rose ou un fard rose très irisé et vous en servir en fait comme base pour après mettre un vrai highlighter dessus. Hop, on va mettre un peu celui-là. Nickel. Ensuite, on va ajouter un peu de reflet bleu. Je vais utiliser, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça, c'est un fard NYX que j'ai depuis. J'adore ce fard. C'est le fard Mermaid des Prismatic Shadows. Et c'est pile poil ce qu'il nous faut pour le make-up d'aujourd'hui. Il a des reflets verts, bleus. C'est magnifique. Donc on va s'en servir comme d'un highlighter galaxy. Et on va le mettre par là. Ça fait bien, non? On s'amuse. Et un peu là. Et c'est ça brille. Et bien sûr, on va rajouter le blanc. Le blanc, on va dire, c'est le point culminant. Donc on va le mettre par là. Alors du coup, je vais déjà recourber mes cils avec mon recourbe-cils. Donc
Donc là j'utilise mon mascara waterproof de chez Maybelline, le cils sensationnel. J'aurais pu mettre aussi dans le cou, mais bon, ça c'est... J'ai envie de dire, vous pouvez mettre le make-up à votre sauce. Donc j'ai utilisé les faux cils Enchanted, qui sont collés à l'intérieur de la boîte. On est mal. Alors je les ai vraiment coupés, donc ça va pas être tel que vous allez les voir sur mes yeux, ça va pas être réellement tel qu'ils sont, parce qu'ils sont normalement plus longs sur le milieu, et je les ai coupés pour qu'ils soient plus longs sur l'extérieur. Donc ne les achetez pas purement en vous basant ce que vous allez voir sur mes yeux, parce que j'ai triché. On va attendre que la colle sèche un peu. Je vous rappelle qu'il ne faut pas poser les faux cils directement sur vos yeux comme ça sans attendre. Il faut que la colle soit un petit peu sèche déjà avant de poser les faux cils. Moi personnellement j'aime bien m'aider avec une pince à épiler. J'arrive pas à les poser autrement. Enfin c'est juste pas possible pour moi. On va essayer de les coller aussi bien du premier coup de l'autre côté. Ah, ça c'est un challenge quand c'est sur soi, d'arriver à les coller pareil des deux côtés. On va attendre que ça sèche avant de faire des manipulations. Et on va s'attaquer à la partie rigolote du make-up. Et du coup, je vois avec mes ombres qu'il faut que je réajuste un peu mes sourcils, que je ramène un peu plus vers l'intérieur celui-là. Vous pouvez toujours faire des modifications de vos make-up au fur et à mesure. C'est pas parce que vous venez de terminer vos sourcils qu'après vous pouvez pas revenir sur vos sourcils. Pour cette étape-là, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un eyeliner blanc. Vous pouvez prendre un paint. Une crème à base d'eau pour le maquillage, ou enfin ce genre de choses, ou même des eyeliners qui s'activent à l'eau, des vraiment c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un fard blanc très pigmenté et le Duraline de Inglot aussi. Le blanc qui est là dans la palette Anastasia est vraiment très très bien. C'est comme vous voulez. Je vais tester, j'avais acheté ça et j'arrive même pas à me souvenir si je l'ai déjà utilisé. Ça peut, c'est du maquillage facile, même pour enfants je crois, enfin on va tester ce que ça donne. Je vais en mettre un peu dans ma palette, c'est à base d'eau donc et on va le mettre sur le visage, donc on va pas le mettre sur les yeux ou donc pas de panique. Et je vais prendre un pinceau eyeliner très fin, du coup on va voir ce que ça donne ce petit paint. Alors vous pouvez le trouver, je crois que je l'avais acheté dans une boutique de... C'était Halloween, maquillage pour Halloween, maquillage pour enfants, enfin bref. Donc si ça fonctionne, faites-vous plaisir. Sinon, je pourrais toujours dégainer mon Duraline et un fard blanc. L'idée là maintenant, c'est de faire des étoiles partout. Nous allons faire le ciel et les étoiles. À mon avis, on va devoir faire deux couches pour avoir de l'opacité, mais c'est franchement pas mal. Là, j'ai pas de conseils, les étoiles, c'est pas forcément facile à dessiner. J'avoue, il faut être un peu doué en dessin. Mais vous allez y arriver. Thank you.
ne faites pas toutes les étoiles de la même intensité, repassez que sur certaines 2 et d'autres 3, etc. Ça permet en fait de donner plus de profondeur, d'en voir des étoiles qui sont plus ou moins loin. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais rajouter un chouïa de paillettes. Ce sont des jolies paillettes multidimensionnelles de Beauty Bay. Et je vais prendre un pinceau, de préférence un vieux pinceau. Parce que les paillettes à nettoyer après c'est pas facile. Hein. Et puis bah, je vais rajouter des paillettes. Je vais mettre du gloss et je pense que je vais mettre celui-là qui est aussi plein de reflets. C'est un gloss Anastasia qui s'appelle Moon Jelly. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Pas très compliqué. Si vous voulez revoir en détail les pas à pas pour le smoky, vous pouvez tout à fait regardez ma vidéo sur le smoky de couleur, je l'ai fait en prune, là il est bleu, c'est le même procédé, c'est un peu plus difficile parce que la couleur est bleue, mais si vous voulez faire un maquillage plus simple, vous pouvez aussi transformer cette sorcière avec du rouge ou du orange et faire les étoiles avec de l'eyeliner noir, donc tout est adaptable. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto surprise d'Halloween vous a plu aussi, parce que j'étais pas sûre à vrai dire de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir autant que moi, ça me fait plaisir de filmer ça. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous surtout et à la prochaine, bye bye.